Ils ont d'abord été capturés par des officiers de relève au large de Long Island. Je présume qu'on va les accuser de meurtre. Nous demandons récupération de ce qui a été sauvé du navire espagnol, la Amistad, et toute sa cargaison. Votre honneur, voici les véritables propriétaires de ces esclaves. Ces esclaves, votre honneur, sont en droit la propriété de l'Espagne. Vous et ce jeune soi-disant avocat, vous avez prouvé assez ce qu'ils sont. Ils sont africains. Félicitations. Ce que vous ignorez, c'est qui ils sont. Ceci pourrait nous faire faire un pas de plus vers la guerre civile. Il faut nous rendre immédiatement ces marchandises! Notre président a fait appel de la décision devant la Cour suprême. Nous devons à nouveau plaider l'affaire. Je vais remonter dans le passé et supplier mes ancêtres de venir m'aider. Car en cet instant, je suis la seule raison pour laquelle ils ont existé. C'est l'affaire la plus importante jamais dévolue à cette cour. Parce qu'en fait, elle concerne la liberté, la nature même de l'homme. Et la preuve en est le mal qu'un homme se donne pour la recouvrer. S'il la perd, il va briser ses chaînes, il va décimer ses ennemis. Il va essayer et essayer encore, contre toute attente, contre tous les préjugés, de rentrer chez lui.